Hello les gens, c'est Léozolog, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mineplex, voilà un très très grand serveur encore une fois. Et aujourd'hui, on va faire du Dragon Escape. Donc, comme le dit le nom, on va devoir s'échapper d'un dragon et en même temps, on devra faire du jump, voilà, pour s'enfuir du dragon. Bref, du coup, les gens, c'est sur ces mots que je vous souhaite un excellent visionnage. Et écoutez, c'est parti. Du coup les gens, on se retrouve donc dans la game, elle s'apprête à commencer. Voilà, j'ai pris le kit Jumper, c'est un kit qui va me permettre en fait de faire des sauts un peu plus haut et je pourrais le faire jusqu'à 4 fois. Donc malgré que j'aie les autres kits, je préfère celui-là parce que celui-là est tout simplement le meilleur. Et re les gens, du coup comme vous le voyez, il y a une petite aile de dragon qui arrive sur nous et puis la game vient de commencer, voilà. Donc on va essayer de pas se faire rattraper par ce dragon, non, parce que je vous avoue qu'il est pas très amical, hein. Du coup on va tout de suite s'aventurer dans la map, voilà, donc comme vous le verrez, ma hache va me donner un jump boost, voilà, donc par exemple quand je vais passer là, hop, j'utilise ma hache et voilà, ça me fait un petit saut, donc je pourrais l'utiliser 4 fois au total dans la game si je me trompe pas. Du coup on va essayer de bien l'utiliser, voilà, là il faut passer par là j'imagine, hop, voilà, donc ça c'est des petits jumps assez tranquilles, hop, on arrive ici, voilà, en toute tranquillité. J'ai pris un dégât de chute, ça m'a pas mis serein, je vous avouerai que j'étais pas serein. Alors faut passer par où? Faut passer par là Michel, faut passer par là ensuite, hop. Donc pour l'instant on est premier de la game, tout va bien. Les autres sont déjà tombés dans le vide j'ai l'impression, donc c'est good. Il en reste encore 3 en vie, 2 en vie dont moi. Dont moi d'ailleurs, je suis content de faire partie de ceux qui sont encore en vie. On va faire le petit jump là parce que je le sentais moyennement avec la truc. Ici il faut jumper, ouf. Alors le dégât de chute, on va se calmer, hein. Alors ensuite faut faire le jump, oula. Hop, voilà. Non, oh non, 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 par contre, non. Bon, on est tombé dans l'eau, mais nous sommes les gagnants. Donc, il y a quand même un petit côté positif. On va pas se le cacher, ça reste une belle game, voilà. Du coup, les gens, on enchaîne tout de suite sur la seconde game. Voilà, donc la map, c'est laquelle? Elle est marquée ici, Into the Jungle. Donc, on sera dans la jungle, voilà. Et du coup, je garde mon petit kit jumper parce que bah, il est extrêmement sympathique, voilà. Les game amplifiers, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et la team, bah, y en a qu'une, donc voilà, on est bon. Du coup, encore une fois, il y a notre ami le dragon qui arrive, qui va essayer de nous détruire. Mais non, nous on est rebelles, nous. On va pas se faire avoir par un dragon, nous. Du coup, on va jumper ici, voilà, on va passer par là. Donc là, ça va, le jump est assez tranquille. Hop, il faut sûrement passer par là. Est-ce qu'ici on n'a pas moyen de... Voilà, bah c'est bon ça. Hop, ensuite il faut aller par là j'imagine. Hop, voilà, nickel. Oula, le jump est un peu long. Voilà, hop, on va jusqu'ici. Alors, pour l'instant ça va, mais les jumps dans les caves comme ça, ils sont assez longs. Et il y a de l'eau en dessous, donc c'est un petit peu complexe quand même. J'ai moyennement seulement l'envie de tomber là-dedans. Hop, voilà, donc j'imagine que là il faut rentrer dans cette grotte. Faut passer par là, ok. Hop, bon, ça va, mais il y a quand même quelqu'un qui est devant nous, donc c'est pas ultra cool quand même. Hop, voilà, on va passer là. J'ai pris un... Non! Oh non! Alors, comment s'en sort notre ami Tiger Pawn PvP? Alors, il est en feu, notre ami, il est en feu. Et... Ah bah non, mais ça nous a TP! Bref, du coup, les gens, on se retrouve dans la troisième game, voilà. Donc, encore une fois, même kit, même chose. Et puis après, peut-être pour la prochaine game, on va changer de kit. On va un petit peu opter pour un autre kit, on va voir un petit peu quel bordel on pourra foutre avec ça. Ça peut être marrant. Et voilà, du coup, notre dragon est encore là, toujours fidèle dragon. Il aura cassé je sais pas combien de blocs, mais il en aura cassé beaucoup des blocs et des joueurs d'ailleurs. Du coup, on va essayer de fuir correctement. J'ai failli me casser la gueule très très bien. Bref, du coup, on passe par là. Pour l'instant, ça devrait aller. Donc, au début, c'est toujours des jumps assez simples. C'est après que ça devient un petit peu plus complexe. Surtout que moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je connais pas trop les maps. Oh là! Bon, le mec a fait une technique avec ça, donc je l'ai suivi. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je l'ai suivi. Il est tombé dans le vide d'ailleurs comme un petit nul parce que je l'ai vu se viander à un bloc. Notre dragon, il est là. Bon, ça va, il est assez loin encore. Hop, on va bien faire notre jump. Tout va bien. J'ai vraiment eu peur que j'allais le foirer. Hop, voilà. Alors là, il faut jumper jusqu'ici, j'imagine. Hop, bon, on va... Oh non! Oh non, oh non, 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 mon dragounet. Alors attendez, on va essayer de faire un MLG. Oula, 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 tout va. Non, on avait presque réussi. Bon, on a quand même gagné, c'est plutôt pas mal, voilà. On a quand même réussi à gagner parce que bah, les autres sont morts, donc on va dire que ça reste une belle game parce qu'on s'en est quand même sorti vivant. Et ça, c'est un bonus.
Et du coup, les gens, on se retrouve donc dans la game, et malheureusement, je suis si seul, nous ne sommes que 3 dans la game, s'il vous plaît, venez les amis, on a besoin de lancer la game quand même, ce serait plutôt pas mal. Du coup, cette fois-ci, on va opter pour le kit digger, voilà, on aura une petite pioche, bon, on n'aura pas de saut à faire, mais on aura une pioche pour casser des blocs et les replacer. Donc, tu vois, on va pouvoir un petit peu traficoter la game, ce qui est pas mal. Et du coup, les gens, la game s'apprête à commencer, voilà, le dragon va arriver par derrière, on le voit déjà détruire ses blocs. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai une petite pioche en diamant, bon, elle est un petit peu buggée quand même, hein. elle est un petit peu toute noire, là, ma pioche en diamant. Il y a peut-être 2-3 bugs à envisager, monsieur le créateur du shader. Bref, du coup, normalement, dès qu'il y aura des gros jumps à faire ou quoi, on aura moyen de casser les blocs, donc ça peut être assez utile, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on pourra l'utiliser. Du coup, là, pour l'instant, il y a des jumps assez simples, comme d'hab, dès le début, c'est des jumps extrêmement faciles, voilà, hop, on arrive ici, voilà. Alors, là, ça va commencer à se compliquer un petit peu, j'imagine, hop, voilà. Donc là, ça devient des jumps un petit peu plus complexes. Comment on va faire? On va essayer d'utiliser notre pioche, hop, on passe par là, alors, voilà, nickel. Alors, où est-ce qu'on peut l'utiliser, notre pioche? Non, parce que j'ai pas envie de ne pas l'utiliser au final de la game, hein, les mecs. Bon, du coup, on a toujours pas utilisé notre pioche, hein. Non, parce que moi, je suis aussi là pour l'utiliser, ma pioche, s'il vous plaît. Non, parce que j'aimerais bien quand même un petit peu pouvoir tester. Voilà, là, on a cassé un bloc, on s'est fait un passage. Donc, vous voyez, c'est quand même assez pratique, mais la hache était peut-être plus mieux. Voilà. Hop, on a cassé ça. No respect. Oula. On a fait un jump assez complexe. Du coup, on va passer par là. Et en plus, je crois que les blocs, on peut les placer. Du coup, on peut faire un amortisseur. Bon, j'ai foiré mon amortisseur. Voilà. Est-ce que ici, on pourrait pas... Voilà, tout à fait tranquillement, on passe en toute discrétion, c'est magnifique, hop, voilà, alors là on passe tranquillement, hop, ensuite il faut passer ici, voilà, on va contourner le petit bloc, voilà un magnifique contour de bloc, hein, vraiment très très joli, hop, on passe par là, donc là ça va, on va pas encore placer nos blocs ou les utiliser, là autant je suis partant pour... Non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non! Le bloc nous a trahi. Le bloc nous a trahi. Littéralement, on s'est fait troll par mon bloc. Ah, on a quand même gagné. On nous informe qu'on a quand même gagné. Parce que, bah, apparemment, YOLO. YOLO, le mec est mort à un endroit où on était allé déjà. Donc, il était mort avant cet endroit. Donc, c'est good. Bref, du coup, les gens, on se retrouve pour la dernière game. Voilà notre ami le dragon, toujours fidèle, toujours derrière nous. Et puis, du coup, on va directement aller là-bas. Donc, j'ai repris le kit jumper. Voilà, il est un petit peu plus simple à jouer pour moi et puis plus sympathique. Donc, comme ça, on va pouvoir essayer de faire une meilleure game grâce à ce petit kit sympathique. Voilà. Pour l'instant, du coup, comme d'hab, c'est la même recette. C'est des jumps ultra faciles, ultra simples et tout. C'est la même chose que je viens de dire. Bref, c'est des jumps vraiment faciles. Donc, pas de différence par rapport à tout à l'heure. Après, ça va se compliquer. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi je vois le monsieur d'habitude, je les vois pas les messieurs? Ah, il a trouvé une bonne technique lui. Il est malin le monsieur. Non, parce que il faut se le dire, c'est pas un abruti, hein, monsieur le Green Gecko 1. Alors où est-ce que tu me guides, The Green Gecko? T'as intérêt à pas te foirer, hein, parce que sinon je risque de me foirer aussi. J'espère que c'est un bon GPS, hein, parce que sinon on sera assez mal. Du coup, lui, ça va, il a l'air de bien gérer les jumps, et pas moi. non, pas moi. On est tombé dans le vide encore une fois. The Green Gecko, il est où? Non, The Green Gecko, il serait pas mort quand même. Il est mort. Écoutez, The Green Gecko, notre ami fidèle, est mort. Voilà. On va le pleurer jusqu'à jamais. Hashtag RIP The Green Gecko. Voilà. C'est triste. C'est vraiment triste. Bref, du coup, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez en voir d'autres de Dragon Escape. Moi, c'est un jeu que je kiffe faire, donc pourquoi pas en refaire en vidéo. Voilà, c'est sympa. Ça fait du parcours et tout. C'est marrant. Et du coup, les gens, c'est sur ces paroles que je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Et du coup, les gens, moi, je vous dis à très très bientôt. C'était Léo Zolak à votre service. Portez-vous bien. Ciao, ciao.